Donc le blog que je présente là, c'est l'environnement d'apprentissage personnel. Donc c'est à eap.vc.org qu'on retrouve le blog. Vous l'avez aussi dans les liens dans la mémoire. Donc, ce blog-là, c'est Martin Lulubin, animateur de la Commission scolaire Villers-du-Loup, qui aimerait ça Villers-du-Loup, et moi qui avons parti le blog vraiment dans l'esprit formation continue avec le web. Donc on décrit les outils, pour la plupart des liens que vous aviez dans la mémoire vous pointent sur ce blog-là. Sur les différents articles qu'on y traite. Donc, c'est vraiment le niveau un peu de la pédagogie, des points pédagogiques, et aussi on traite de points techniques, là, comme comment s'inscrire à FIDRSS, etc. Donc, on va dans les détails comme ça. Donc, ce blog-là, c'est vraiment un point où vous pouvez même utiliser des commentaires, poser des questions, qu'on va suivre avec le FIDRSS. Puis, on a le petit bidule RSS en haut, donc vous pouvez l'ajouter facilement dans votre lecteur RSS qu'on a installé tantôt. Ça, je pense que c'est une des premières sources à s'inscrire. On vous inscrit tantôt au RCMST, c'est moins intéressant. Ça va être pour l'intégration des clics dans votre classe avec le Web2.